Coucou tout le monde, c'est Lucie. On se retrouve dans cette vidéo pour un unboxing, comme vous l'avez vu dans le titre, DAC Diamond Art Club. Alors ça fait très très longtemps que je n'ai pas commandé chez eux, ça faisait un an que je n'avais pas commandé chez eux. Et là, j'étais obligée. Je vais vous expliquer, en fait, cette toile-là, depuis qu'elle est sortie, ça fait plusieurs mois déjà, je la voulais. Je la voulais absolument, vous allez comprendre. Et du coup, le temps que je me décide la première fois, parce que bon, voilà, elle n'est pas donnée. Le temps que je me décide la première fois, elle était déjà en rupture de stock. Et du coup, elle était ressortie. À ce moment-là, j'avais pas envie de commander parce que j'avais un petit peu une panne de DP. Enfin bref, voilà. Et là, allez, je me suis dit, elle allait sur le site. En plus, j'avais des points. Vous savez, quand vous commandez avec Diamond Art Club, du coup, à chaque fois que vous commandez, vous gagnez des points. Et au bout d'un moment, les points, vous pouvez les échanger contre des coupons qui vous font des réductions sur les toiles. Et moi, j'avais 10 000 points, donc j'avais un coupon de 100 $. Donc, autant vous dire, là-dessus, c'est vraiment top, DAC, au niveau de leurs points comme ça. 100 $, c'est vraiment pas rien, quoi. Et du coup, ça me faisait, je crois, 80 €. Ou 80, non, ça me faisait 88 euros, je crois, du coup, converti en euros, je crois, hein, je ne suis pas une spécialiste, et ça c'est de mémoire, et ben, du coup, la toile valait 90, un truc comme ça, je ne sais plus trop exactement, enfin bref, donc autant vous dire, nickel, sauf que ben, du coup, comme j'avais un coupon, et ben, il a fallu que je paye les frais de port à 15 euros. Donc en fait, la toile, au lieu de me revenir à 80 euros, elle m'est revenue à 15 euros, puisque je n'ai juste payé que les frais de port. Là, je ne pouvais pas ne pas la prendre, celle-ci. Elle est. Non, je ne pouvais pas. Il y en avait plein d'autres qui me plaisaient et je peux me retenir parce que je ne compte pas commander tout de suite ce DAC. Mais là, j'avais les points. Donc avant qu'il soit périmé, hein, et cette toile, non, elle est. Alors déjà, elle est juste gigantesque. Voilà. Donc là, vous situer un petit peu, parce que la vidéo ne va pas sortir tout de suite, on est le 6 mai. J'ai dû la commander il y a à peu près 10 jours. Donc 10 jours, 15 jours. Donc très bien. Vous voyez comment qu'elle est grande. J'adore, j'adore. Bah, de toute façon, les unboxings DAC, dès qu'on ouvre une toile DAC. C'est quand même quelque chose, hein. Donc c'est super bien emballé. Et là, je regarde l'image, et voici l'image. Donc elle est assez connue, hein. Notre-Dame Night by David McLean. Elle fait 98 par 70, et ce sont des carrés. Je suis trop trop contente, on va découvrir ça ensemble. Ah, je pouvais que la prendre, quoi. La Tour Eiffel, et Notre-Dame, vous savez que moi, depuis que j'étais à Paris, voilà, j'ai découvert cette ville et enfin, j'adore. Donc, ça, c'est top. C'est top d'avoir une toile comme ça. Alors, on va regarder ça. Je suis trop contente de l'avoir chez moi. Même si je ne la fais pas tout de suite, elle est chez moi. Elle est à moi. Donc, trop, trop bien. Alors, le tool kit. Elle est lourde. On va tout sortir. Voilà. Ok. Elle est énorme. Alors, donc, déjà, on a eh ben, la petite image, hein, autocollante. Voilà. Donc, de David McLean. C'est la première fois que j'ai une toile de. De ce monsieur, de cet artiste. Donc, au niveau du toolkit, moi, j'ai l'ancien toolkit. Donc, des millions de sachets, une coupelle, deux pains de colle, un stylet, un petit multiplaceur et leur pince que j'aime, que j'utilise entre autres, mais j'adore ce genre de pince. Hop, voilà, la pince noire avec les bouts comme ça, pointus. Moi, c'est ce que j'utilise. Hop, alors, on va regarder ça. Oh là là, je suis trop contente. Petite toile à la maison. Enfin, petite toile. On s'entend. Parce qu'elle est énorme et elle est lourde avec les diamants.
Alors, ok, c'est bon. Donc, comme d'habitude, on a bon, le petit fascicule. On a l'image de ouf. Oh, je l'adore. Elle est magnifique. Le ciel violet comme ça. Donc, j'ai 65 couleurs. Ça, c'est très, très bien. Donc, 98 par 70 de EE. Il est où le nom de l'artiste? Je vous le refais voir quand même. Notre-Dame Night, David McLean. Et j'ai combien d'abbés? J'ai 1, 2, 3, 4 abbés. Donc, je le sais parce que c'est ceux qui sont avant 150. Donc, 135, 134, 132 et 101. Cool. Bon, alors, on va regarder ça. On va regarder le diamant. Pour la suite, vous avez vu le paquet de diamants. Diamant carré, bien entendu. Alors, avant de la voir, je vais la tourner comme ça. Oh là là. Ouais, comme ça. Je la retourne à l'envers pour l'aplatir au mieux. On voit très très bien. Hop. Vous êtes prêts? Wow. Bon, ma table n'est même pas assez grande. Alors, c'est ça qui est magnifique. Je vais la mettre comme ça. Alors, attendez. Alors, désolée, interruption enfant. Il fait beau, j'aurais dit aller jouer dehors pendant que je tourne ma vidéo. Donc, ils étaient dans le trampoline. Et j'ai une petite interruption. Donc, c'est pas grave. Hop. Donc, je disais qu'elle était trop grande pour la table. Donc, je vais la mettre comme ça. Et puis, on va la regarder ensemble. Enfin, ma main par rapport à la toile, elle est immense. Franchement, je l'avais fait voir à mon mari quand elle était sortie. C'était... Et du coup, je lui avais dit, si franchement, elle rend bien, celle-là, on l'encadre. Moi, j'ai pas pour habitude d'encadrer mes DP et les approcher tous comme ça. Mais alors là, non. Paris by night, non, obligé. Hop, je vais vous la faire voir, je vais vous faire décrouler un petit peu. J'espère que vous n'avez pas tombé, parce que mon trépied, c'est la misère. Voilà. Oh, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Elle est trop, trop belle. Donc, la tour Eiffel, Notre-Dame. Oh là 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 là. Je vais vous faire voir de plus près. Alors, mon trépied, il a un pied cassé. Là où ça tient le téléphone, c'est cassé. Donc, autant vous dire que c'est la misère. J'espère que vous n'allez pas tomber. Voilà, j'essaie de vous en rapprocher un petit peu. Hop, voilà. Vous voyez un petit peu les symboles. Voilà ce que ça donne. Pouf, c'est trop beau. Là, il y a un petit chien qui dort près du banc. Les petits osios, péniches, enfin, c'est juste trop, trop beau. Moi, je l'adore. Ma petite tour Eiffel, là. Je suis montée jusque là. Alors, du coup, je vais vous laisser sur la toile, hein, tant qu'à faire. Désolée de vous faire bouger comme ça, mais hop. Là, voilà, vous n'êtes pas retombé. Voilà, on va la garder comme ça la toile et on va regarder les petits diamants. Et il y en a un paquet. Alors, je suis folle parce que je les enlève, je suis trop sûre d'arriver à les remettre. Regardez tout ce que j'ai. Oh là 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 là. Je voulais trouver les... Ouais, le violet, là. Je voulais trouver les petits abbés qu'il y a dans cette magnifique toile. Il y a du vert, là. J'ai qu'un sachet de 310. C'est étrange. Ah ouais, oh bah, dis donc. Qu'un sachet de 310, ça me paraît étrange. Ouais, c'est parce qu'il y a du 839. Bah écoutez, pour une fois. Alors, par contre, là, du 796, c'est du bleu. En veux-tu, en voilà. 1, 2, 3, 4. Ah non, 4, ça va. Des violets, ouais, c'est des teintes que j'adore. 939. Ok, j'ai toujours pas les petits abbés. Ok,
petit côté que différentes teintes de marron. Ah, en voilà un, le 134. Voilà. Du vert qui brille. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme AB? Allez, j'avais dit que j'en avais combien de 1, 2, 3, 4. Ah, il n'y en a pas beaucoup du jaune, ça c'est vrai. 132. Voilà. Ah, il est beau celui-là. Du vert. Ça, c'est le 135. Et le dernier, c'est du... Le 101. C'est du bleu, qui est magnifique. Bon, bah écoutez, moi, j'ai envie de dire, il reste une dernière nouvelle. Moi, j'ai envie de vous dire, je suis trop contente. Mais... Elle est juste magnifique. Enfin, la tour Eiffel, là. Oh là 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 là. J'adore. Puis les immeubles. C'est tout Paris, ça. Le Paris que je visite, en tout cas. Bon, bah écoutez. Moi, je vous fais des gros bisous. Hein. Celle-ci, elle ne va pas être faite tout de suite, mais elle est à la maison, c'est le principal. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.